Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer le travail de bûcheron sur un serveur qui s'appelle Aerochrome V2. On va commencer par prendre notre petit camion. Voilà. Et on va aller chercher notre petit bois. J'ai encore du bois de la dernière fois. J'ai du bois coupé, ok. Je vais mettre le GPS, je sais pas la route par cœur. Ça risque d'être long le voyage. Et oh, qu'est-ce qu'il fout le PNJ? Alors ici les feux rouges, il me semble qu'on est obligé de s'arrêter 5 secondes pour tourner à droite. On n'est pas obligé de s'arrêter, on fait juste gaffe et on tourne à droite. Il me semble que c'est ça. Ah, le camion il met je sais pas combien de temps à freiner. Bon, par exemple ici je suis pas obligé de m'arrêter, je suis juste gaffe s'il n'y a pas de voiture qui vient de là-bas. Vue extérieure c'est mieux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces PNJ. Vitesse maximale autorisée est de 90. Ah, je suis à 93, ça va encore. Oula, on n'aurait pas dû faire ça. Si, c'est bon. Ah, ici, maintenant, à la vitesse que j'y vais, on peut se faire choper par la police. Ça fait mal. Par contre, le bruit que la remorque a fait, c'est juste horrible.
Hop, le petit stop qu'il fallait marquer l'arrêt. En généralement, par ici, il n'y a personne. Hop, tourner ici. Le GPS il nous fait passer par des routes un peu bizarres. Enfin, elles sont pas bizarres, mais sont, pour un camion, c'est compliqué quoi. Putain! La voiture qui freine et puis la moto qui beuille. Désolé, mais je prends toutes les routes. Oula, tournez ici. Ici, j'aime pas du tout tourner ici. Très dangereux ça, si on tombe en bas. Alors, par contre, le GPS ici il est malade et il nous fait envoyer par la petite route là-bas de terre. Moi je vais pas le faire, moi je vais passer par ici, c'est plus long, mais c'est je préfère. Arriver sur place. On enlève la petite ceinture et on sort du camion. J'ai même pas regardé le niveau carburant si je suis bien. Que je reste pas à pied. Ah si c'est bon, 56, ça devrait le faire. Hop, on va récolter un petit peu de bois. Là déjà je suis 21 sur 20, on va aller jusqu'à 40. Ça sert à rien de faire beaucoup plus parce qu'après de toute façon on peut pas stocker énormément sur les camions. Stocker 100 sur 100 c'est tout. C'est pas trop évident leur truc. On peut stocker 100 sur 100 sur notre inventaire, sur notre sac à dos. Et on peut aussi stocker 100 sur 100 dans le camion, 100 rodans de bois. C'est pas trop logique. Normalement, un camion, ça devrait stocker beaucoup plus.
Ah, je suis à 35, 37, 38, ah là, le 38, le 39 et le 40 qui va arriver. Voilà, je suis 40 là. Ah, nickel. On va retourner notre camion. C'est chaud de retourner le camion ici. Je vais perdre. C'est fait. Allez, on va aller couper notre bois. Ça risque d'être très très long ici, puisque on va couper, oh, même pas, on va couper un petit peu de bois, c'est tout. Après on va aller faire des plaques de bois. Après on reviendra pour faire des bois. Je suis à 87, on va aller jusqu'à 100. Et je pense que ça sert à rien d'aller jusqu'à 100, parce qu'il en faudra, il en faudra 40 pour en faire 200. Sachant que je peux en transporter maximum 100 sur le camion et 100 sur moi. Voilà. C'est un peu bizarre. Normalement, le camion aurait dû stocker dans les, je sais pas, dans les 10 000, 20 000. Et sur notre corps, 100. Ça aurait été mieux. 95, 96. Quatre-vingt-dix-huit, 99, et le petit 5 qui va arriver. Voilà, allez, on va aller se transformer en plaque. Il faut que j'aille manger, faut que je m'arrête quelque part pour aller manger. Quelqu'un qui a abandonné son camion ici. Voilà, et du coup là ça va me prendre 20 pour faire 100 plaques de planches, paquets de planches. Je vais aller les stocker dans le camion et après je vais revenir faire 20 autres. Sachant que là ça va aller vite parce que ça prend un bois coupé et ça le transforme en paquet de planches. Et là normalement au lieu de mettre bois ils auraient dû mettre un rondant. En rondant coupé, il y a le 5 paquets de planches. Parce qu'un bois, ça veut rien dire. Hop, ça là, ça fait 80. Encore 4. 85. 90. 95. Et le petit centième qui va arriver. Voilà, et je peux pas continuer parce que ça va me dire espace insuffisant. Voilà, vous avez le maximum de paquets de planches. Ah, le concessionnaire est ouvert. On va les stocker dans notre camion en faisant L pour accéder au coffre. Voilà, 100, hop,
On va les mettre dans le camion. Voilà. Et si on veut mettre le bois, ben ça marche pas. Quantité invalide. Si on met 40 par exemple, ça va pas marcher. Si on met 20, ça marchera. Même pas. Espace insuffisant. Et si on met 10, est-ce que ça marchera? Même pas. Et dans le bois, ça marchera pas non plus. Ok. Donc c'est 100 maximum sur le camion. 1 sur 1. Capacité. C'est un peu n'importe quoi, quoi. Le véhicule, normalement, il peut stocker jusqu'à 10 000, 20 000. Il y a le train. Non, même pas, c'est l'usine, elle fait ce bruit, ok. Bon, mais du coup, on va se transformer 20 autres. Et on va y aller en ville pour les livrer. Sachant que 100 paquets de planches, ça me donne 10 000. Bah, avec 200, bah, j'aurai 20 000. C'est assez rentable, le bûcheron. C'est le métier le mieux payé, je pense, sur le serveur. J'ai déjà testé Uber, c'est payé 500 € la 500 $ la poubelle. C'est pas très bien payé. Bah, ça va, mais après il faut faire des kilomètres pour aller chercher quelques poubelles de temps en temps. Ensuite, j'ai testé volailler sans poulet ou sans barquette de poulet. Il me semble que c'est des barquettes. Ça fait 7 500. Donc ici c'est 10 000, c'est un peu plus. Et couturier, c'est payé. Je sais plus combien c'est payé. Couturier. Ah si, couturier 3 000, 40 tissus, c'est payé 3 000. Honnêtement, je pense que le couturier, c'est un métier bien payé aussi. Si on le compare à 100, il me semble que c'est bien payé 40 égale 3 000. 86 000, non, même pas. Ça va donner 7 500 aussi. Bon, voilà, du coup, bah là, je ne peux plus rien faire à part couper du bois. Couper le bois que j'ai dans mon inventaire. On va aller prendre notre camion et on va aller en ville. Hop. Ouais, on va aller en ville, allez hop. Du coup, si jamais vous voulez rejoindre ce serveur, je vous mettrai le nom dans la description. Et puis, bah, vous trouverez par vous-même. Sinon, je peux aussi vous mettre l'adresse IP dans les commentaires, s'il faut. Voilà. Je vais aller régler mon GPS sur la ville. Voilà. Les administrateurs ainsi que les modérateurs sont très sympas. Est vraiment très actif. Elle est où la route? Là. Enfin, le bruit de la remorque, j'aurais aimé qu'il l'enlève. Je sais pas s'ils peuvent l'enlever, mais c'est juste agaçant. Ça fait déjà 19 minutes que je tourne la vidéo. Ok. Pas que je m'accidente maintenant.
Désolé, je prends toute la route. Allez, encore 6 km. On y sera en ville. Fous la pas dans l'eau. J'ai quand même 10 000 $ dans le camion quand même. Faudrait pas l'accidenter. Eh oh monsieur, vous avez un stop? D'ailleurs moi aussi il faut que je pense à regarder avant de traverser. Sinon je vais me prendre une voiture dans la gueule. Putain, les mecs, ils traversent comme ça, au calme. Après, si on klaxonne, ça va, ils font rien, les moldus. Oh, on dit pas grand mot. Il est presque arrivé. Toi, t'as une voiture et oh quand même. Accélère. Allez, c'est vert. Go. Allez, il faut perdre mon temps, c'est PNJ. Ah, il y a le mécano qui est perdu là-bas ou quoi? Il faut que j'aille manger aussi tout à l'heure. Je sais pas si c'est le mécano, mais on dirait. Ici, je sais pas si c'est 90, si c'est 50.
Oh là là, problème de ce camion, ça freine pas. Et le moldu, il a même pas tourné. Oh là là. Faut aller voir les mécaniciens. Ça freine pas. C'est un danger public. Allez, hop, on récupère notre argent et ensuite on va aller le déposer à la banque. Problème, on a un camion de travail, mais on aurait dû avoir aussi un véhicule pour le travail. On n'a pas de véhicule. Donc, je sais pas comment je vais faire. Soit je prends le camion pour aller déposer mon argent en banque. Normalement, je pense pas qu'on ait le droit d'aller en ville avec un camion. Mais bon. Du coup, là, je vais avoir 30 000 avec les 100 premiers que j'ai. Ensuite, je vais prendre mes 100 autres premiers, mes autres 100 que j'ai dans le camion. Ou je les prends peut-être maintenant. Ouais, je les prends maintenant. Je les prends par 10. 111. Même pas. Hop, 100. Et hop, c'est à 97, ok. Hop, encore 10. Encore 10. Et encore les 10. Voilà. On est déjà à 30 000. Ça attaque sur les 100 autres. Oh, c'est bien payé le métier de bûcheron. 40 000. J'aurais 82 000. On a à peine 30 minutes, on peut gagner. Ah oui, quand même. J'en suis à 27 minutes depuis que j'ai démarré la vidéo. Donc en 30 minutes, on peut gagner 40. Ouais, 20 000 facile. Pas 40 000, mais 20 000. C'est que j'avais déjà 20 000 sur moi. D'ailleurs, il faut que j'aille les déposer en banque au plus vite possible. Du coup, je vais prendre le camion de service pour aller en banque. Je vais dételer la remorque. Je sais plus comment on fait pour dételer la remorque, par contre. Alors, pour dételer la remorque. Je sais plus du tout comment on fait. Là, je vais me prendre le poteau, bah oui. Je craignais ça. Comment on fait pour dételer les remorques? Tout à l'heure, ce matin, j'essayais de dételer une remorque. J'ai mis je sais pas combien de temps à trouver, à essayer de trouver la touche. J'ai appuyé partout dans le clavier et ça marchait pas. Allez hop, GPS sur la banque, la plus proche d'ici, c'est celle-ci. On est vraiment obligé d'aller en ville. Et en même temps, je pense que je vais y aller au magasin, je vais m'acheter du pain avant de déposer tout mon argent en banque. Ah oui, avant aussi de faire bûcheron, pensez-y à avoir votre permis de poids lourd. Moi, je suis en règle, moi j'ai mon permis de poids lourd. J'achète du pain et de l'eau. Acheter quoi? 10 pains et 10 eaux. Voilà, comme ça on a du pain et de l'eau. Et je vais aller en manger tout de suite.
Je vais manger jusqu'à ce que j'ai plus faim. Encore un. Et je pense que je peux en manger encore un. Voilà, l'eau c'est pareil. Une, deux, trois et quatre. Voilà, parfait. Dans cette ville, on mange que du pain et de l'eau. Elle est sévère, moi je trace. Par contre, ici, il faut rouler à 80 maximum. Et de l'autre côté, on pourra rouler à 50. Il y a des flèches. Bon, moi je vais aller tout droit, je me mets ici. Il n'y a pas de policier. C'est tout droit. Je me fais trop remarquer avec mon camion là. On est direction la banque. On va les déposer. 39 600. On va garder juste 50 $ sur nous. Validé. Voilà, j'ai 82 000. C'est large. Je vais prendre un screen de l'écran. Voilà. Ah, ça m'a fait bugger mes FPS parce que je suis dit en jeu entre un record et en plus un screen d'écran. Oh là là. Et on va aller se. On va y aller au truc. Au vestiaire. Mais si, comme je tourne à droite, je fais bien attention. Et je tourne. Ils ont ajouté des portails. C'est tout droit. Oh là là. Ça, ces gars, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Les gars avec un pistolet, faut éviter de rester en ville. On va garer notre petit camion. On va prendre la remorque là-bas. On va la ranger dans le garage. Hop, c'est parti dans le garage.
Voilà, c'est bon. Impatiente pour notre tenue de travail. Voilà. Et là, c'est pour là, c'était pour le prendre le camion, le petit point qui était là. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo et que vous avez appris des choses sur le métier des bûcherons. Et puis, bah, à la prochaine.